Alors l'appel bêche colle de cygne. Un fer extrêmement rigide, en acier au bord, aiguisé sur toute la longueur de la lame pour augmenter la force de pénétration. Un repose-pied qui va vous permettre d'augmenter la force du coup de pied. On est dans un manche en icori. L'icori sert aussi pour vous donner la résistance pour les baguettes de batterie, par exemple. Donc vous pouvez y aller fortement avec cet appareil. C'est un outil de bêchage, d'arrachage, et qui, grâce à sa forme légèrement incurvée, va aussi vous permettre de pelleter. Toujours le manche en T qui me permet de donner un bon coup de bras et ainsi de soulever. Donc ça, c'est tranquille, hein, on fait ça doucement, on se casse pas le dos, parce que vous remarquez quand même que c'est des outils de pelletage, donc évidemment, on est quand même un peu les jambes pliées et le dos courbé, donc on essaye de ne pas trop forcer pour pas non plus se fatiguer. Grâce à son manche en T, grâce à son poids, vous allez vraiment pénétrer dans la terre sans aucun souci. Vous allez pouvoir travailler longtemps, parce que c'est la bêche qui travaille à votre place avec le poids. Si vous n'aimez pas les outils lourds, évidemment, il ne faut pas choisir l'appel bêche colle de cygne. Mais si vous voulez un vrai outil qui va vraiment rentrer, même sans le pied, vous regardez, là je travaille juste avec la force des bras et vous pouvez constater la force de pénétration. Évidemment, si je prends le pied, c'est encore plus facile, on soulève, on bêche, on vient chercher, on pelte et tout est impeccable. Là, vous allez pouvoir créer autant d'allées que vous voudrez. Cet outil, comme toutes les marques de chez De Piper et Jack Lumber, est garanti à vie pour le faire. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser de manière intensive. Il a été étudié et conçu pour ça.